On a Huge Man. Qui est Huge Man? Huge Man. Marrant. On patiente deux petites minutes. On chauffe un peu la voix. Ça vous dit? Vous êtes en forme? Oui, voilà, c'est ça. On tenait une petite chose. Joli. Sympa l'hélico, Vincent. C'est un nouvel achat. Mais je vois qu'on a acheté le même, Marion, pareil. Ouais. Bon, c'est bien, du coup, on fait chauffer les hélices, là. Et puis, oui, dans 2 minutes, on va pouvoir commencer à lancer. On se donnera le top. Voilà, c'est ça. Je vois qu'il y a une personne déjà qui s'est connectée. Mais voilà. D'accord. Donc pour la personne en question, on attend 2 minutes avant de lancer le début de notre présentation autour de Human et des botnets. Bonjour Aurore, enchanté. Est-ce que vous nous entendez? Je ne sais pas si les micros sont ouverts de leur côté, puisque c'est un webinaire, Sébastien. D'accord, oui. Peut-être dans le chat. Voilà, je fais un petit message. Heures 2. Et je pense à 10h03, On se donne on le part en go? production. Ouais. Et après, on lancera la présentation. Bon, ben voilà. Il est 10h03. 10h03. Allez, vas-y. C'est parti, Vincent. Je vais Oui, ben, je partager pense mon qu'on va commencer écran. déjà par Christelle pour l'introduction des personnes qui interviennent aujourd'hui. Donc, le panel de. Voilà, alors par contre, c'est juste partagé sur l'écran de. Je ne sais pas si c'est normal que je ne le vois pas en grand écran. Oui, en fait, je mets juste la slide, c'est à vous de vous présenter. Allez-y. D'accord. Très bien. Bon, merci Christelle. Bah, du coup, peut-être honneur aux femmes, je dirais. Je te laisse commencer éventuellement, Marion. Oui, bien sûr. Donc, bonjour, moi je m'appelle Marion Habibi, je travaille chez Human depuis bientôt 2 ans et je fais partie de l'équipe Data Operation, donc on investigue en fait des nouvelles threats, surtout sur tout ce qui est ad tech, et je suis spécialisée en mobile, donc tout ce qui est téléphone et tablette et un petit peu de CTV aussi. Voilà. Vincent. Merci Marion. Bah pour ma part, moi c'est Vincent Maisonnet. J'ai rejoint les équipes de Human il y a allez, un petit peu moins de 2 mois, avec un background vraiment cybersécurité. Voilà, on travaillait notamment avec Sébastien chez pas mal de grands éditeurs de la cyber pour intégrer maintenant Human. Et donc moi j'intègre plutôt sur la partie technique en tant que senior solution architect. Merci Sébastien. Vincent. Allez, je me lance. Bonjour à tous, merci d'être présents. Sébastien Talat, bah, j'ai officié avec Vincent chez quelques éditeurs, comme il évoquait, en cyber. Et mon rôle va être de gérer la partie commerciale sur la France et l'Europe du Sud. Voilà. Bah, écoutez, ravi, je vais prendre la main rapidement et je vais partager notre présentation. Si vous voulez interagir, surtout n'hésitez pas. L'idée, ce n'est pas de faire un cours magistral, hein, c'est plutôt que ça soit interactif au maximum. Donc, ce qu'on va faire pour vous donner un petit peu la cadence de cette présentation, on va présenter Human rapidement, juste pour fixer quand même quelques concepts et un positionnement de la société, sur quoi on opère, sur quel use case, globalement. Et puis, on va très très rapidement donner la main à Marion, de l'équipe détection chez nous, qui va pouvoir vous donner un petit peu plus de.
je dirais, de piment, de friandises, d'informations croustillantes sur tout ce qu'elle peut observer au quotidien sur nos petits amis fraudeurs et puis leur technique. Voilà, c'est vraiment l'idée. Et je rajouterais juste qu'on a prévu également une session de questions-réponses éventuellement. On pourra répondre si, enfin, pendant la présentation, mais éventuellement, on va garder quand même un petit temps à la fin pour y répondre. Donc, vous avez directement un module dans l'outil Zoom là, de questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On sera là pour y répondre à la fin. On essaiera de garder 5-10 minutes à la fin pour prendre le temps d'y répondre. Allez, c'est parti. Très rapidement à propos du MAN. Bon, la société n'est pas nouvelle, hein. Elle a été fondée en 2012 à New York. C'est venu, en fait, l'idée, la genèse est venue d'une idée d'impacter tout ce qui est cybercriminalité dans le monde du marketing, du performance marketing et de la publicité digitale. Tout simplement, vous allez voir, avec une idée très claire en tête. Donc, pénaliser très clairement tout ce qui va être fraude et pouvoir le détecter très finement au-delà des, j'irais, des technologies actuelles sur le marché. Donc, on a pour garantie un SLA de 10 millisecondes sur tout le trafic en temps réel. Donc, on va pouvoir vous donner une décision sur ce qui est humain ou pas sur un trafic, ce qui est généralement un très bon indicateur de ce qui se passe vos inventaires, vos campagnes digitales ou surtout ce qui va être front au web, puisqu'on a ce use case également. Et dans ces 10 millisecondes, il y a bien sûr le transport. Donc, vous imaginez que derrière, il y a quand même une grosse machinerie qui va pouvoir, vous donner une précision de 99% sur ce qui est humain ou non, d'où le nom de la société, Human, qui s'appelait auparavant WhiteOps. Et vous allez voir que technologiquement, il y a eu un déploiement et une capture de pas mal d'indicateurs pour pouvoir prendre ces décisions avec cette précision. Donc, on parle de 2500 signaux, 350 algorithmes d'intelligence artificielle. On ne va pas faire trop de technique, bien qu'il va falloir quand même comprendre un petit peu ce qui se passe. Et Marion va nous expliquer pas mal de choses là-dessus. Donc, un point important, il y a une accréditation MRC en pré- et post-bid pour Human. On est les seuls à avoir cette accréditation aujourd'hui sur le marché et on s'intègre aujourd'hui très largement dans des écosystèmes Google Cloud Platform, GCP donc, et AWS. Et puis, derrière, vous pouvez constater qu'on a un support quand même de personnes assez robustes dans l'industrie de la finance et même de la cyber, puisque Goldman Sachs et Night Dragon plus Clear Sky Security ont acquis la société, donc participent au soutien d'Human. Bon, un point très important tout de suite pour vous donner, je dirais, un scope sur la façon dont on traite les choses, dont on peut vous donner justement cet avis très rapidement, sans influencer le trafic utilisateur dans ces 10 millisecondes, donc, et au-delà de la technique, cette protection collective. On a mis en place en fait un mécanisme qui fait qu'on voit énormément de trafic et on a vu déjà énormément de trafic, ce qui nous permet d'être assez confiants dans notre technique et dans la décision qu'on va prendre au-delà de l'interopérabilité humaine que l'on va avoir avec les équipes de détection comme dont Marion fait partie. Et vous voyez que sur ce slide, on interagit déjà très largement avec beaucoup d'acteurs de la tech et du performance marketing digital. Si je peux rajouter juste une chose, notamment avec l'intégration GCP à AWS, déjà, c'est qu'on est 100% compliant ce GDPR également. Pour une boîte new-yorkaise, je pense qu'il faut qu'on le précise quand même. Et au-delà de ça, on peut même intégrer une instance pour notre moteur de vérification de décision, on va dire, dans le pays en question, du moment qu'il y a une instance GCP ou d'AWS disponible. Donc, ce qui fait qu'on peut être au plus près également des data centers et des différentes frontaux web en question. Et pour le temps de décision, oui, voilà, comme le disait Sébastien, c'est 10 millisecondes avec le transport compris, sinon c'est vraiment du real-time puisqu'on est plutôt autour des 3 millisecondes pour l'analyse et la prise de décision. Bon, juste pour synthétiser ce slide qui est quand même important, vous comprendrez tout de suite que ce que l'on fournit chez Human, c'est avant tout un service sur une décision qui est essentielle qui s'appelle bot or not. Donc, est-ce qu'on fait partie d'un... Est-ce que ce trafic est légitime ou est-ce qu'il est généré par les machines et un réseau de bots évolué ou pas ou sophistiqué?
Et on réalise aujourd'hui plus de 10 trillions, donc 10 milliards de milliards d'interactions par semaine, ce qui contribue en fait à enrichir notre précision et notre connaissance des devices. Voilà, je sais. Alors, je si passe je... sur ce... Hein. Bien sûr. Merci. Je voulais juste ajouter justement pour les 10 trillions d'interactions, donc là qui correspond à 10 milliards de milliards d'interactions qui sont vérifiées par semaine, du coup, c'est notamment au travers de ce qu'on appelle l'effet réseau, qu'on peut voir au travers des différentes marques qui sont là, mais également d'une intégration au travers de, on va dire, des plus grandes plateformes d'Internet mondial aujourd'hui qui nous permettent d'avoir cette visibilité et du coup de cette connaissance et donc de pouvoir effectuer cette analyse des 10 trillions d'interactions. Alors très vite, quelques tendances et on va fonctionner en entonnoir dans cette présentation, hein, on va accélérer un petit peu, mais l'esprit c'est de vous amener vers Marion et son discours et de vous donner quand même quelques tendances, quelques chiffres. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été fait cette année. Donc là, vous avez des chiffres extrêmement frais, c'est toujours intéressant. Globalement, on est sur un Pareto, hein, 80-20 sur le nombre de personnes qui ont subi une attaque sur une tentative de prise de compte ou alors d'utilisation de nouveaux comptes, création de nouveaux comptes qui vont participer à la fraude. Juste pour replacer un petit peu le contexte de cette étude, on a interrogé 500 très grandes entreprises qui ont bien voulu se prêter au jeu et globalement nous ont donné une substantifique moelle là à étudier puisque avoir des chiffres généralement sur la cybersécurité, en tout cas les fraudes, c'est relativement compliqué. Un autre point qui est super intéressant, c'est que 90% des personnes interrogées classent une solution de bot management spécialisée dans leur top 5 initiatives. Aujourd'hui, pourquoi? Vous allez tout de suite comprendre rapidement le problème et l'enjeu. 77% aujourd'hui des attaques, donc on dit cyber parce qu'elles utilisent un véhicule digital, sont propagées par un réseau de bots. Donc globalement, aujourd'hui, sans réseau de bots, on n'aurait pas toute cette pollution, que ce soit dans le performance marketing, dans la tech, dans la cyber. Et les bots sont un réel problème et ils deviennent de plus en plus évolués. Mais ça, je laisserai la main à Marion sur ce sujet. Vincent, peut-être tu peux nous dire une petite chose sur ce slide. Oui, bah justement, c'est lié à ce qu'on a pu dire précédemment sur l'effet réseau et les 10 trillions d'interactions qui sont vérifiées par semaine. Du coup, ça nous permet aujourd'hui d'avoir déjà pu observer 80% des utilisateurs dans la publicité programmatique. Et pour rejoindre un petit peu sur lié à notre background cyber, c'est comme pour un malware, pour pouvoir pouvoir travailler dessus, il faut déjà l'avoir vu. Et donc, ça nous permet justement d'avoir cette visibilité et donc de pouvoir effectuer le travail d'analyse et de décision dessus. Donc, c'est très important aujourd'hui, mais ça permet de donner un chiffre également sur le travail qui est effectué dessus et notamment au travers de notre plateforme et de notre service chez Human. Alors, sans vouloir introduire un débat, je vais quand même donner une notion très importante. On va être l'un des rares aujourd'hui, si ce n'est le seul, sans vouloir trop appuyer, à parler de ce qu'on appelle de SILT, le trafic invalide sophistiqué. C'est notre grosse force, en fait, chez Human. On est capable de déterminer ça dans les 10 millisecondes qu'on vous a évoquées auparavant. Les plateformes, je dirais, un petit peu plus standards que vous connaissez tous, vont surtout s'intéresser à l'IVT. Le souci qu'il y a aujourd'hui, c'est que le SILT prend une dimension extrêmement importante. Vous savez, ces derniers pourcentages qui restent sont souvent ceux qu'on néglige, mais ce sont souvent ceux qui font le plus mal et qui vont pouvoir frauder et arriver à des résultats assez catastrophiques, comme on va les évoquer avec Marion sur Terracotta. Je te donne la main, Vincent, sur ce slide rapidement. Oui, justement. Pour ne pas perdre trop de temps dessus. Oui, assez rapidement, mais bon, pour justement, c'est le sujet que je voulais aborder justement sur la partie SIVT. C'est le point fort justement, mais c'est un petit peu ce qui fait toute l'évolution également, même des cyberattaques ou du digital ou autre. Tout ça, ça évolue et c'est pas pour rien. C'est que notamment, c'est vrai que comme tu disais, les solutions plus classiques aujourd'hui vont se concentrer sur ce qu'on appelle des listes classiques. Donc, par exemple, des adresses IP ou des domaines ou des éléments qui sont fixes et qui vont bloquer sur liés à des listes.
existe, tout simplement. Si on arrive justement à détecter ce trafic plus sophistiqué qui va imiter des interactions humaines beaucoup plus que l'IA des robots, c'est justement grâce à des techniques beaucoup plus avancées avec des algorithmes, avec la collecte de beaucoup de signaux et donc d'analyse de ces signaux au travers de ces algorithmes qui vont nous permettre justement d'activer ce qu'on appelle des marqueurs. Et suite à ça, on va pouvoir identifier du coup pourquoi, enfin derrière, si c'est un bot ou si c'est un humain ou si c'est un bon bot éventuellement. Et donc tout ça, c'est lié à des mécanismes également que vous avez peut-être déjà entendu maintenant, qui sont par exemple des mécanismes de machine learning, de global threat intelligence, et également d'adaptation continue, notamment même au travers de l'équipe de Marion, puisqu'il y a également une interaction humaine qui s'effectue derrière pour se renseigner sur ces différentes détections et travailler humainement dessus pour s'adapter en continu sur l'ensemble de ces nouvelles détections, et donc au travers même de l'effet réseau et donc de cette connaissance globale. Et c'est grâce à ça qu'on peut mettre en évidence justement tout ce trafic beaucoup plus sophistiqué, mais c'est celui qui vient faire le plus mal ou qui va créer le plus d'effets négatifs sur les ads, sur les marques, sur tout ce qui est frontaux web également. Allez, rapidement les use cases. On va se les partager. Je vais commencer sur l'aspect marketing. Globalement, l'esprit ici, il est très clair, hein, c'est vraiment augmenter la portée des campagnes marketing qui sont lancées et puis d'atteindre le ROI souhaité sans avoir de fraude. Globalement, si 10% du trafic est un trafic de fraude, bah, vous perdez 10% de votre budget, sans parler des impacts qu'il y a derrière. Mauvais inventaire dans le CRM, les équipes commerciales ont validé des leads qui sont faux, donc le coût global est colossal. Donc, le premier use case que l'on va avoir de façon très générale, c'est la protection de ces campagnes digitales marketing. Du coup, pour enchaîner sur l'aspect après plus sécurité également, mais ça c'est pareil, c'est tout sur tout ce qui est frontal web par exemple, il y a des pages de login, des pages d'authentification, que ce soit même sur du côté jeux vidéo, du côté distribution, publicité ou autre, s'il y a du client entre guillemets qui vient s'authentifier sur des sites, et ben il y a aussi des failles qui peuvent être utilisées, des prises de contrôle de compte, du détournement d'informations liées aux utilisateurs, ou même également s'il y a des fuites de login mot de passe valides qui arrivent d'ailleurs fréquemment. Là aussi, ça permet de les challenger et de superviser un petit peu toutes ces authentifications directement sur les frontaux web. Donc ça va être une supervision approfondie des frontaux web avec du login. Donc ça, c'est un autre use case qui va être pris en charge par la plateforme et le service Human. Allez, dernier use case, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, je pense principalement. Tout ce qui va être protection de la publicité digitale, l'esprit évidemment est d'aller nettoyer le trafic frauduleux. Et on va prendre un exemple très concret avec Marion là, dès maintenant. On va arrêter cette presse humaine et vous allez voir qu'on est capable également de pouvoir interagir et de mitiger bien sûr ce trafic frauduleux pour conserver une expérience utilisateur au mieux. L'idée, c'est vraiment de ne pas perturber toute cette partie, publicitaire et toute cette partie surfing. Donc, l'idée est de mettre de la friction sur nos amis les bots, qui ne sont pas tout à fait nos amis. Et je vais laisser la main à Marion pour nous parler un petit peu de Terracotta. Juste un point avant de se lancer. Est-ce que tout est clair pour vous jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu peux monitorer un petit peu le chat, s'il te plaît, Vincent, pour savoir si je suis sur l'interface de questions et réponses, mais pour l'instant, il n'y a pas de questions et réponses vraiment ouvertes. Ok, donc, super. Donc, on va avancer dessus. Du coup, peut-être pour introduire Marion et puis le sujet de Terracotta. Marion, est-ce que tu pourrais nous dire peut-être quels sont peut-être les types de fraudes aujourd'hui qu'il peut y avoir? Oui, bien sûr. Comme vous l'avez évoqué tous les deux, on fait face majoritairement à des opérations de grande envergure et extrêmement sophistiquées. Donc, les bots vraiment qu'on peut repérer facilement, on arrive déjà plus ou moins à tous...
à tous les détecter, à tous les flaguer. Et la fraude à laquelle on fait face à l'heure actuelle est beaucoup plus sophistiquée. On a des personnes qui vont essayer vraiment de reproduire du trafic humain. Et ça va être difficilement détectable, ou en tout cas il va falloir mettre en place des techniques de détection qui vont être beaucoup plus poussées par rapport aux listes que tu évoquais, Vincent. Au niveau des fraudes actuelles, donc toutes les grandes opérations sur lesquelles Human a travaillé l'année dernière et cette année, c'était en général ce qu'on appelle du app spoofing. Donc en fait c'est du remplacement de d'app ID, donc de nom d'application ou de domaine ou de enfin des applications, que ce soit sur du mobile ou sur du CTV, dans le but en fait de alors soit avoir une bid request qui va avoir un comment dire, un niveau beaucoup plus élevé, exactement. Donc, on va venir remplacer une application qui n'est pas, enfin, le nom d'une application qui n'est pas nécessairement très chère au niveau de l'inventaire, avec une application des grands jeux qui sont très, très largement distribués ou qui vont atteindre beaucoup plus de personnes. Et du coup, la bid request va être plus chère. Donc là, on va pouvoir se faire une plus-value. Sur la valeur de la bid request. Ou alors, ce qu'on voit également, c'est des malwares qui sont installés sur des téléphones ou sur des tablettes ou sur des desktops, et qui vont venir, en fait, générer énormément de trafic, donc énormément d'inventaire. Et pour éviter d'être détecté, parce que si on voit en fait une seule application générer énormément de requests, ça va être assez évident et on va pouvoir le flaguer assez rapidement. Les personnes derrière vont venir changer les noms des applications. Donc, je ne sais pas, par exemple, prendre une centaine d'applications qui vont échanger comme ça de façon random, ce qui va faire qu'en fait, ce qu'on va détecter va venir d'une centaine d'applications et pas uniquement d'une seule. Et donc, le malware peut ne pas être détecté comme ça. Donc, on a plusieurs façons, enfin, il y a plusieurs modèles de fraude derrière ce qu'on appelle app spoofing. Il y a différentes façons de le faire, mais c'est en général ce qu'on voit. On voit aussi un petit peu de fausses requêtes. Donc, où là, la requête va être totalement générée par un serveur, donc là où on a vraiment affaire à quelque chose qui n'est absolument pas réel, et où toutes les informations de la requête vont être fausses et vont être automatiquement générées. On peut penser que c'est assez facile à détecter, mais en fait on est arrivé à un niveau de fraude tellement sophistiqué qu'ils sont capables de reproduire vraiment des requêtes, je dirais à la perfection, où vraiment tous les caractéristiques de la requête vont être générées avec des vraies valeurs qui peuvent passer vraiment pour du vrai trafic. Donc on doit déployer des méthodes de détection qui vont être beaucoup plus sophistiquées pour faire face à ce genre d'opérations qui sont très très bien pensées en règle générale. Ok, je t'interromps ou tu voulais Là, je voulais te poser une petite question. Le cas de Terracotta en particulier, alors c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, Terracotta, c'est au plus haut 65 000, environ 65 000 devices infectés, donc 65 000 téléphones aux États-Unis, qui ont généré au plus haut trafic plus de 2 milliards de requêtes par semaine, donc ce qui est
quand même énorme sur si peu de devices, hein, parce qu'il faut, toujours regarder la comparaison entre nombre de devices et nombre de requêtes. Et avec environ 5500 apps qui vont être spoofed, donc qui vont être utilisées pour générer ce trafic. Derrière, qu'est-ce qu'on a ? Terracotta, en fait, c'est juste une poignée d'applications qui ont été téléchargées par des personnes lambda, en fait. Ces applications, la particularité, c'est qu'elles offraient des chaussures gratuites. Donc voilà, vous êtes sur l'App Store, vous voyez une application qui vous promet des chaussures gratuites dans 2 semaines. C'est vrai que pourquoi pas. Bon, il faut toujours se méfier des choses gratuites. Hein. Enfin, rien n'est jamais gratuit. Donc vous pouvez être quasiment sûr que quand on vous propose quelque chose de gratuit, c'est que vous allez installer un malware. Mais bon, donc voilà, donc les personnes ont en fait téléchargé ces applications. Les applications, la particularité de ces applications, et ce qui était assez malin, c'est qu'elles restent dormantes pendant 2 semaines. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, quand des personnes en cybersécurité veulent tester une application, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont la télécharger sur un téléphone sécurisé, évidemment, et ils vont venir écouter en fait le trafic de cette application. Et en général, on voit assez rapidement quelle application est un malware en fait génère du trafic frauduleux, etc. Ce qui se passait là, c'est que pendant 2 semaines, l'application ne faisait rien du tout. Ce qui allait avec ce que l'application promettait, parce que on a vu les descriptifs de ces applications qui en fait disaient que télécharger cette application et dans 2 semaines, il va se passer quelque chose et vous pourrez bénéficier de vos chaussures. Donc, le malware restait dormant pendant 2 semaines, ce qui fait que la plupart du temps, si on attend pendant 2 semaines et qu'il ne se passe rien, on est là, bon, bah, OK, il ne se passe rien, ce n'est pas grave, ce n'est pas une mauvaise application. Et à partir de 2 semaines, c'est là où énormément de trafic était généré, au point où les téléphones étaient totalement inutilisables, en fait. Et donc ils généraient du trafic à travers avec une connexion sur un serveur, un command and control serveur, pour générer les requêtes et programmatiquement changeaient les noms des applications. Donc comme ça évite de hotspotter sur la réelle application qui est derrière, parce que le nom de l'application est totalement changé. Et voilà, et c'est comme ça qu'ils généraient énormément de trafic et qui faisaient du coup énormément d'argent derrière. Et qu'ils n'étaient pas détectés du coup, puisqu'ils utilisaient une identité dynamique pour ne pas se faire repérer sur des choses évidentes. Exactement. Bon, après, ils sont pas passés non détectés pendant très longtemps. on a quand même réussi à détecter le trafic assez rapidement. Ce qui était très intéressant, c'est que le nom de l'application n'était pas la seule chose qui changeait dans les requêtes. Il changeait tout un tas de paramètres. Et donc, on a pu les détecter à travers ces autres paramètres. Parce qu'effectivement, nous, quand on voit des opérations, maintenant, la première chose qu'on fait, si le nom de l'application n'est pas évident, on n'utilise même pas en fait, le nom des applications, parce qu'on sait pertinemment que maintenant, c'est la généralisation de la fraude, c'est juste de changer le nom des applications. Donc on peut même pas se raccrocher à ça, en fait. On peut même pas dire, ah bah tiens, cette application, ce bundle ID est mauvais, etc. C'est pas ce qu'on utilisait pour détecter Terracotta. On utilisait quelque chose d'autre. Et ce qui est très intéressant avec Terracotta, et c'est la première fois qu'on voyait ça, c'est de l'adaptation. C'est-à-dire qu'on a commencé à les flaguer. Donc, on a détecté le trafic. On a commencé à détecter le trafic au mois de janvier 2020. On a commencé à mettre en place des défenses pour nos clients. Et on a vu le trafic disparaître. Donc, on s'est dit, ah bah génial, on a bien fait notre travail. On les a sauvés, etc. Au mois de mars,
on a commencé à voir un trafic qui était très très similaire, mais pas tout à fait la même chose. Et on s'est dit, ah bah tiens, on a une nouvelle opération qui arrive. Et en fait, au bout de 2 semaines, on a très très bien compris que c'était exactement la même opération. Et ce qu'ils avaient fait, c'est qu'entre-temps, ils avaient fait des petits tests fin février. Donc le trafic avait totalement droppé au mois de février. Fin février, ils ont commencé à faire des petits tests et ils sont repartis avec énormément de trafic. Et ils se sont adaptés, en fait. Ils se sont adaptés à notre détection. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu, notamment avec Pareto par la suite, qui est une autre opération qui a été stoppée au mois d'avril, là, qui est aussi une opération de très, très, à très, très large volume, mais plus sur du CTV, donc Connected TV. Et c'est la même chose, en fait. On se rend compte que de plus en plus, on a une adaptation et une réaction par rapport aux défenses qu'on met en place. Donc, vous imaginez le casse-tête un petit peu en termes de détection. Et bon, Terracotta, c'est la première fois qu'on voyait ça, qu'on voyait de l'adaptation. Et c'est là où on s'est dit, bon, bah, il va falloir qu'on réfléchisse et qu'on fasse quelque chose pour monitorer cette adaptation. Et donc, nous, dans notre équipe de détection, ce qu'on a mis en place, c'est quand on veut défendre sur une attaque de ce genre, on va essayer de monitorer avec d'autres dimensions ou d'autres signaux pour être sûr que s'il y a adaptation, on va pouvoir le détecter très, très rapidement et pivoter très rapidement. Quand je parle d'adaptation, c'est très, très court. Hein. Sur Terracotta, c'était de l'ordre de 48 heures. Donc, en 48 heures, on les voyait changer. Parce qu'ils n'ont pas changé qu'une seule fois, hein, évidemment. Ils se sont adaptés plusieurs fois. Plus on construisait des défenses et plus ils s'adaptaient. Et sur Pareto, il me semble que c'était de l'ordre de entre 12 et 24 heures, je crois, où vraiment on avait des adaptations. Et on était même capable de voir leur test, en fait, où ils testaient le trafic pour voir ce qui allait marcher, ce qui n'était pas... fonctionner, passer au travers des mailles du filet. Donc non, on a vraiment affaire à quelque chose de très très sophistiqué, à des personnes qui s'y connaissent et qui font pas juste qui génèrent pas juste des bots comme ça de façon simple. C'est vraiment sophistiqué. Ouais, bon, super, merci pour déjà pour ces détails, parce que on comprend mieux en fait le problème, et puis on comprend mieux aussi pourquoi derrière tous les mécanismes et tous les moteurs qui soient les plus pointus possibles, il y a besoin d'équipes qui vont pouvoir mieux comprendre ce qui se passe et puis s'adapter également en face. Ça, je pense que c'est un point essentiel dans les futurs besoins qui viennent, quoi, et qu'on est en train de révéler, hein, très clairement. Deux remarques, je ne sais pas s'il y a des questions, mais deux remarques. Généralement, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est ce qu'on m'a appris. là, on le voit bien. Et puis, secondo, on voit bien l'adéquation et le parallélisme. C'est même plus du parallélisme. Je pense que c'est la similitude totale avec la cyber. Ce n'est que l'utilisation de méthodes cyber, on est bien d'accord, pour aller faire de la fraude. Voilà. Et généralement, c'est bien ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce fameux app-ads.txt que je comprends, oui, un petit peu? Alors, donc app-ads.txt, c'est une recommandation de AIB pour légitimer ou autoriser du trafic. Donc, app-ads.txt, c'est un fichier que toutes les apps sont très fortement conseillées de créer, et qui va venir lister en fait tous les revendeurs autorisés de leur trafic. Donc, si on prend, Candy Crush par exemple, qu'on regarde le app-ads.txt de Candy Crush, on va pouvoir voir toutes les listées, tous les publishers, tous les SSP, toutes les DSP,
qui sont autorisés à revendre le trafic venant de cette application. Ce qui est très utile parce que qui dit trafic autorisé dit aussi trafic non autorisé. Et tout ce qui est non autorisé, ça peut être très important de détecter tout ce qui est non autorisé pour valider des suspicions de fraude, etc. En règle générale, nous en tout cas sur ce qu'on voit, on voit à peu près 71% de tous nos inventaires mobiles qui sont couverts par apats.txt. Donc on peut dire, voilà, tout ça c'est autorisé, on sait que c'est autorisé, on peut vérifier dans apats.txt que c'est vérifié. Ce qui est très important, et c'est ce qui nous a aussi ce qui était très intéressant avec Terracotta, c'est que uniquement 10% du trafic de Terracotta était autorisé sur apats.txt. Ce qui veut dire qu'on avait un très 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 large pourcentage de l'inventaire de Terracotta qui n'était pas autorisé. Et c'est important de le comprendre, et c'est ce qu'on voit en général aussi dans toutes les grosses opérations, c'est qu'on a un fort pourcentage qui n'est pas autorisé sur apats.txt. Donc nous, vraiment, ce qu'on conseille à nos clients, c'est de faire en sorte que les apats.txt des applications avec lesquelles ils travaillent soient mises à jour, parce qu'on peut vraiment flaguer ce qui n'est pas autorisé. Malheureusement, c'est pas encore totalement adopté dans l'écosystème ad tech, donc on n'a pas un 100%, donc on ne peut pas dire ce qui n'est pas autorisé est forcément frauduleux. Mais si on avance tous ensemble et qu'on essaye de faire en sorte que apats.txt soit très, 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 très largement utilisé, on va avoir quelque chose de vraiment très, 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 très utile pour flaguer la fraude et pour vraiment mettre en lumière ce qui n'est pas autorisé par apats.txt et l'utiliser comme on devrait l'utiliser, en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de pousser pour une adoption vraiment massive de apats.txt. Allez, petit coup de projecteur. Est-ce qu'il y a des questions, Vincent ? Il semblerait que non, mais du coup, petit message, n'hésitez pas à poser vos questions, puisqu'il nous reste environ un petit peu moins de 10 minutes maintenant. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Petit coup de projecteur sur Terracotta, Vincent, tu nous fais une petite intro, Du coup, le coup de projecteur sur Terracotta, c'est que c'est également en collaboration avec Google. D'ailleurs, vous pouvez trouver un témoignage du porte-parole de Google, puisque c'était quelque chose, voilà, qui a créé beaucoup de volume, a priori, quand même, de données. Donc, ça a été également un petit, on va dire, un partenariat avec Google pour, donc, c'est pas que Human également, d'où notre intégration également sur les interfaces, les intégrations GCP. C'est qu'on travaille main dans la main, comme on a pu le dire un petit peu aussi avant, avec des grandes plateformes Internet, puisque c'est pareil, hein, plus on a de visibilité, plus on pourra analyser d'éléments, et plus du coup on pourra apprendre également de ces attaques et y répondre également du mieux possible. C'est quelque chose qu'on a commencé à faire il y a très longtemps. Sur Yves, par exemple, sur Medbot, on a une collaboration aussi énorme de beaucoup, beaucoup d'acteurs dans le monde de la tech. Sur Terracotta, évidemment, avec Google, donc pour take down les apps du Google Play Store, pour éviter que les personnes download ces apps qui contiennent le malware, etc. Et on a récemment aussi sur Pareto, on a aussi collaboré avec Google pour faire la même chose, en fait. Donc dès qu'on identifie des applications qui sont frauduleuses, on essaye, voilà, de
de travailler avec un maximum de personnes pour pouvoir faire un takedown assez rapide une fois qu'on a identifié voilà, les personnes qui sont derrière ces attaques pour pouvoir bah, protéger tout simplement nos clients, mais protéger aussi les utilisateurs parce que c'est, quand on parle de devices qui sont infectés, il faut savoir qu'on a des personnes en fait derrière ces devices, donc ça peut, enfin moi à chaque fois je pense à ma mère et je lui dis tu télécharges rien d'un peu bizarre parce que tu peux te retrouver avec ton téléphone qui va être totalement infecté et en fait tu peux plus l'utiliser et ça enfin c'est vraiment quelque chose où quand ça vous arrive en général vous pouvez jeter le téléphone parce que c'est il est plus utilisable du tout. Et ce qui est assez important à savoir, c'est que non seulement on a des apps qui sont frauduleuses, mais c'est pas uniquement derrière dans les scripts pour ces apps, il y a énormément de choses qui sont mises en place pour éviter d'une part la détection, donc comme on l'a pu voir avec Terracotta où l'application restait dormante pendant 2 semaines, mais pour aussi éviter de retirer l'app du téléphone où on a vraiment on a identifié des bouts de script qui permettent en fait de retirer l'icône de l'écran pour que personne ne puisse retrouver cette app. Donc l'app est toujours là, mais totalement invisible à je dirais 99% de la population, parce que personne ne va penser à essayer de retrouver l'app de façon beaucoup plus compliquée sur un téléphone, etc. Donc les choses qui sont mises en œuvre pour éviter la détection, pour éviter de retirer l'application du téléphone, etc. C'est je pense qu'il faut il faut le savoir, il faut en parler, parce que c'est enfin moi voilà c'est quelque chose qui enfin quand je pense à toutes ces personnes et tout le monde a un téléphone voire même deux maintenant. Et c'est vrai que c'est assez important et je pense qu'il faut aussi voilà, penser au end user derrière. Et évangéliser sur cet aspect-là, parce que nous, on le fait depuis longtemps en cyber, mais en effet, quand on cherche à recouper les mondes et quand on voit les applications de la cybermenace dans le monde, notamment du digital, c'est clair qu'on se rend compte que, une grande partie du financement se fait en plus de façon invisible et silencieuse, parce qu'aujourd'hui, les inventaires, tout ce qui est prévu, etc., ça se fait à 80% de façon automatique. Donc, une fois que c'est lancé, si on n'inspecte pas ce trafic et qu'on n'est pas capable de dire « bah tiens, c'est frauduleux », on finance en fait indirectement toute la cybercriminalité, sans le savoir. Donc, c'est un vrai souci. Et c'est l'objectif de Human, très clairement, c'est de... Avec une simple ligne de code, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, sur vos frontaux, ou en tout cas sur tout ce qui va être inventaire, campagne marketing ou pub digitale, on va être capable de détecter et de vous dire ce qui est humain ou pas. Et encore une fois, pour reboucler avec le début de la présentation, souvent l'indicateur qu'il y a un problème, c'est que ce n'est pas humain. Et d'ailleurs, pour rajouter une petite chose là-dessus, comme disait Sébastien, c'est vrai que c'est qu'une simple ligne de code à mettre sur un frontal web. Du coup, on peut vous proposer également gratuitement la mise en place d'un test de détection de 30 jours, par exemple, et vous fournir des résultats justement pour que vous ayez même connaissance du coup de ce qui tourne autour de vos sites, qui tourne autour de vos apps et ce qui peut créer des risques. Et on vous accompagne tout au long de cette phase de test. Et du coup, on est là voilà, pour montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire. Mot de la fin, Marion, il y a des questions, peut-être Vincent, désolé. Et pour l'instant, non, je n'ai pas vu de questions. Mais bon, encore sur la petite minute qui nous reste, s'il y a éventuellement une question, n'hésitez pas. Le mot de la fin pour toi, Marion ? On essaye d'être un petit peu galant. Je dirais qu'on fait face, en tout cas d'un point de vue détection, à des opérations qui sont de plus en plus sophistiquées, qui nous challenge de plus en plus. Et il faut garder en tête que les personnes qui sont derrière sont très bien organisées et ont un coup d'avance, quoi qu'il arrive. Donc je pense que on fait face maintenant à quelque chose qui est
Donc, on peut pas détecter des bots de façon simple. C'est fini cette époque où on détectait des bots de façon simple. Maintenant, c'est sophistiqué. Il faut les techniques de détection appropriées, je pense, de nos jours. Ouais, super. Merci pour le mot de l'expert. C'est super important. Je pense que c'est le point à retenir. Vincent? Merci Marion, merci Sébastien également, et puis ben merci également aux participants. C'est vrai que l'on est arrivé à la fin de cette présentation. Et puis ben, n'hésitez pas à nous retrouver également, a priori ce sera en replay également. Donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo et à éventuellement nous contacter si vous avez la moindre question ou le moindre envie de faire un test éventuellement. Ou d'avoir plus d'informations sur Human. Peut-être préciser qu'on est présent en France, Vincent et moi, et on est à votre disposition pour tout détail supplémentaire, test, question. On est là pour ça. Voilà. Bah, grand merci à tous. Marion, Vincent, grand merci. Je pense qu'on va clore et fermer le partage des slides, et puis on va arrêter l'enregistrement. Merci à tous et à bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Bye bye.